répartir les amandes effilées sur la plaque du four et les faire griller pendant 10 à 20 secondes. Les mélanger et laisser colorer à nouveau quelques secondes, puis les laisser refroidir. Équeuter les figues, les disposer dans le bol du mixeur avec les amandes effilées grillées. Ajouter le beurre bien froid coupé en morceaux, quelques pincées de grains d'anis vert et mixer. Étendre le film étirable sur le plan de travail, le saupoudrer de fécules de pommes de terre, disposer une moitié de pâte et lui donner la forme d'un saucisson en le roulant dans la fécule de pommes de terre. L'enrouler de film et fermer les extrémités en les tournant sur elles-mêmes. Entreposer toute une nuit au réfrigérateur. Mélanger à la poudre d'amande, le sucre semoule, ajouter l'eau et l'extrait de vanille liquide. Fouettez les blancs d'œufs pour qu'ils soient mousseux. Les incorporer à la pâte d'amande et bien mélanger. Dressez 16 petites boules de pâte d'amande sur une plaque anti-adhésive. Si on n'a pas de plaque anti-adhésive, bien sûr, voilà. Il faut beurrer sa plaque avant. Parsemer de pignons et les enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. Laissez les panelettes refroidir avant de les dresser. Pour les retirer, attendre qu'ils aient refroidi, autrement ils restent collés à la plaque et à ce moment-là, la pâte serait abîmée. Retirez le film des saucissons de figues, les coupez délicatement en rondelles et les dressez accompagnés de panelés aux amandes. Saucissons de figues et panelettes. Pour 4 personnes, 250 g de figues sèches, 50 g d'amandes effilées, 6 pincées de grains d'anis vert, 100 g de pignons, 50 g de beurre, 2 blancs d'œufs, 1 cuillère à soupe de fécules de pommes de terre, 250 g de poudre d'amande, 250 g de sucre semoule et 1 cuillère à café d'extrait de vanille liquide.